vous avez eu, vous avez réussi, en quelque sorte, votre évasion, si on peut appeler ça une évasion. C'est-à-dire que vous vous êtes plus éclipsé à l'aube, après avoir récupéré vos armes, vous êtes enfoncé dans la forêt. Vous avez profité de vous reposer un temps avant de vous décider finalement à partir en direction de votre vaisseau. Mais c'était quelque peu de la colère, du désespoir et diverses émotions qui se sont bousculés alors que vous avez aperçu le roc écarlate s'envoler, passer un court instant au-dessus de la canopée avant de gagner les cieux et de disparaître hors de l'atmosphère de la lune où vous vous trouvez. Avec lui s'envolent un peu vos espoirs de quitter cette lune. Il va falloir trouver une autre solution et sans vaisseau, les choses commencent à être beaucoup plus complexes. Vous devez donc rebrousser chemin. La seule possibilité d'avoir une quelconque aide ou de trouver une quelconque solution est forcément liée aux gens que vous venez de quitter ce village caché dans la forêt. Alors que vous regagnez le village, vous êtes de nouveau tombé nez à nez avec Naomi qui Naomi, cet enfant qui vous avait aidé à vous enfuir et qui avait un temps disparu. Voilà. Elle vous a fait comprendre que vos propos, alors que vous parliez peut-être d'une certaine manière librement, certains mots vous ont échappé. Plus que certains mots, presque un commun accord. Une fois que nous avons quitté ce caillou, nous pourrons indiquer cette localisation à toute personne et pouvons profiter de ces infortunés. Des mots peut-être qui ont été lâchés sur la colère ou uniquement par appât du gain, que sais-je. En tout cas, alors qu'elle a quand même décidé de ne pas parler. Mais les mots ont été houleux, les discours ont été houleux, les armes sont sorties. Mais finalement, chacun a quelque peu rongé son frein. Et vous êtes donc rentré au village. Là-bas, à votre arrivée, sans doute prévenu par quelques guetteurs ou sentinelles. Et les villageois vous voient revenir. La plupart des personnes, moins adultes, semblent armées. Tandis que les personnes les plus âgées, les enfants, sont ramenés à l'intérieur du vaisseau ou des huttes. Loin de vos regards et surtout loin de votre portée. Un trio vous attend, fait de Ali, le chef du village, Saïra, une femme d'un certain âge qui avait accompagné certains d'entre vous à la prière. Que vous avez un petit peu, certains d'entre vous, discuté, mais
relativement succinctement. Et Troy Alam, un homme qui avait clairement et ouvertement indiqué qu'il ne vous faisait aucune confiance. De ton côté, Daini, ah, il vous faut parler. Non, c'est ça, toi. Non, ça n'a rien à voir. Pardon. Salim, t'as pu constater que Salim n'a pas hésité un seul instant à sortir son arme dans la situation d'il y a finalement quelques minutes, quelques heures à peine. La pointer finalement sur une jeune enfant, la pointer dans son dos alors qu'elle s'éloigne de vous. De ton côté, que penses-tu de cette agressivité? Et surtout, est-ce que tu penses vraiment que cette dernière est contrôlée? Je pense qu'on est tous à bout et que Salim l'est peut-être encore plus que nous tous, après tout ce qui vient de nous arriver. J'ai quand même vraiment eu très peur que Salim aille jusqu'au bout et qu'au final, qu'Alel ne réplique et que tout ça finisse en une tuerie. Après, au moins, ça serait fini. Est-ce que Salim se contrôle? Je pense qu'il commence à perdre le contrôle. Très bien. Naïm. Oui. Oui. Naïm. Naïm. Quel est ton avis sur Kalel vis-à-vis de ce qui s'est passé? D'un côté, c'est votre meilleur sans doute. Ne serait-elle pas la meilleure solution pour la meilleure aide que vous avez pour quitter ce caillou? De l'autre, il a pointé son arme sur Salim. En soi, je comprends pourquoi il essaie de défendre Naomi, mais c'est la façon dont il l'a fait. Moi, ça m'a. Il fallait bien que je défende mon ami. Ça semblait assez logique. S'il avait fallu tirer, j'aurais tiré, mais c'est bien fini. Du coup, au début, j'avoue, je l'aimais bien. Mais là, du coup, je commence à me méfier de lui. Mais en même temps, il semblerait que ce soit quand même clairement notre meilleur moyen de sortir d'ici. Il connaît bien les villageois. Il a l'air de mieux se débrouiller pour parlementer que nous. De temps en temps. Donc bon, pour l'instant, je serais d'avis de prendre sur moi et me servir de lui en quelque sorte. Et on verra bien avec le temps si on peut lui faire confiance. Mais je vais rester sur mes gardes. Tu le gardes à l'œil. Très bien. Hamza. Oui. Hamza, tu as vu le vaisseau partir. Tu as connu certaines. Sans doute de nombreuses émotions t'ont traversé sur ce moment-là, mais. Parmi les gens qui t'entourent, non pas les gens qui potentiellement pilotent ce vaisseau actuellement, mais parmi les gens qui t'entourent, c'est-à-dire tes compagnons, les membres de cet équipage, que tu as rejoint finalement il y a que peu de temps, qui penses-tu qui a blâmé pour cette situation? Une situation, le fait que le vaisseau soit parti ou le fait qu'on revienne et que Naomi fasse la gueule? Surtout vis-à-vis que le vaisseau est parti, quoi. Mais. Je ne sais pas, est-ce que.
Est-ce que si vous aviez agi plus vite, le vaisseau serait pas parti? Est-ce que finalement, si vous n'étiez pas... Qui a finalement pris la décision de partir après ce fugitif? Qui a... Pourquoi on a laissé ce muet? Nombreuses questions, finalement. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup d'autres personnes à blâmer avant ceux qui sont autour de moi, en fait. Voilà. Mais d'après toi, qui serait à blâmer autour de toi? Le pilote, au final. S'il nous avait pu atterrir directement là où il y avait Saïd, la personne qu'on poursuivait, au moins, on n'aurait pas eu à marcher pendant des jours. On ne serait pas fait piquer notre vaisseau. Il y a beaucoup de choses qui seraient beaucoup mieux passées. Déjà, si c'était bien positionné dans l'espace, on n'aurait jamais eu à atterrir. Très bien. Donc finalement, tout ça est la faute du pilote. On est bien d'accord. Kal-El. Ouais. La situation a quand même beaucoup changé. Tes espoirs sont tombés un peu en miettes. Alors que vous êtes rentré dans le village, toi, tu sais que tu as quelques talents pour discuter. Et sans doute le moment de discuter. Comment espères-tu aborder les choses? Eh ben, j'ai un plan. Je vais jouer ma dernière carte. Que je me révèle. Deuxième question, c'est sur qui penses-tu pouvoir compter dans cette situation? Sur aucune des personnes avec qui je rentre, à part la petite toujours mes meilleurs amis dont j'oublie le nom, mais avec deux A là. Naomi, voilà. Mais si quand même, parmi les quatre autres, il fallait quand même t'appuyer sur l'un d'eux, qui ça serait finalement? Le moins pire, tiens. Le moins pire, je dirais, le pilote. Ouais. Il n'a pas essayé de... Disons que c'est un de ceux qui a essayé de plus discuter. Ah bah il a sorti son arme, de... quand même. Ouais, mais quand ça a commencé à dégénérer. Très bien. Mais parfait. Ça me va. Vous rentrez donc. Oh là. Quelqu'un en moins. On attend. Ah voilà. Vous rentrez donc dans le village. Alors, vous êtes tous les six. Plus la jeune fille, plus Naomi, à entrer dans le village, tous les six, puisque vous êtes toujours accompagnés de l'homme que vous avez sorti de l'espace. Alias Karim. Voilà. Et vous avancez donc dans le village, tous ces regards se tournent vers vous. Et mais aucune arme n'est, même si vous voyez qu'il y a des armes, donc, il y a des hommes qui ont des carabines Vulcain, mais autrement il y a aussi des armes plus primitives. Vous pouvez voir des arcs, des lances, mais aucune arme n'est dirigée forcément dans votre direction. Tout le monde vous regarde rentrer dans le village, et Ali, c'est Ali qui ouvre la parole. Eh bien, quand j'ai vu ce vaisseau passer au-dessus des arbres il y a quelques heures, je ne m'attendais pas à voir votre petit groupe s'avancer à nouveau ici. Un petit contretemps, semblerait.
Non, mais à la base, on allait chercher du matériel pour s'installer avec vous. Non. Non, non. Mais c'est normal. On n'aurait pas dû revenir, c'est vrai. Mais c'est pas nous qui sommes partis dans le vaisseau. C'est fait chourer, apparemment. Très bien. Et que nous vaut votre retour dans ce cas-là ? Eh ben maintenant, on va avoir besoin de votre aide. On a besoin de partir. Vous avez un vaisseau. On voudrait négocier. En frontal, comme ça. Il semble pensif. Vous voyez sans doute vaguement comment l'un d'eux Troy qui lui murmure quelque chose à l'oreille et lui donne une réponse sans doute assez courte et il dit bon très bien et bien allons discuter dans ce cas-là. Et tu vois qu'il prend la direction de la maison, toujours pareil, hein, ce bâtiment principal où vous y êtes allé de nombreuses fois. Il y va toujours accompagné de Troy et de Saïra. Moi, j'ai un regard aux autres et moi, je le suis en tout. Moi aussi, je suis venu. Oui, mon plan a été détruit, mais oui. Je pense qu'on a essayé, on a trop essayé de leur mentir, de manigancer des trucs. On va essayer l'honnêteté, on va voir ce que ça donne. Oui, on peut essayer. Ça passe. Waouh, le montage va être fun avec ce micro. C'est vrai que. Effectivement. Finalement, je crois qu'il y en a qui ont réussi à prendre le vaisseau. Vous rentrez dans cette salle. Le feu n'est jamais vraiment éteint. Il y a des braises rougeoyantes. Il y a une marmite qui est déjà posée dessus. Et les trois personnes qui sont devant vous, en fait, Ali et Seira s'assoient sur des coussins. Il vous fait un geste de vous asseoir également tout autour du feu. Il y a de nombreux coussins là autres. Troy reste à côté d'Ali, mais lui reste debout. Asseyez-vous. Nous allons pouvoir parler. Dans tout le bâtiment, quand vous rentrez, je vais me dire si vous rentrez tous d'ailleurs, en tout cas, il n'y a que eux trois. Vous ne voyez personne d'autre. Il y a qui est resté debout, du coup, c'est Troy. Oui, Troy. Du coup, je vais rester debout aussi, moi. Est-ce que vous rentrez? Je voulais faire pareil. Ah, je te laisse, t'es plus intimidante que moi. Je te vois rester debout, du coup je te regarde et je m'assois. Je rentre et je reste debout à côté de Salim. Moi je m'assois, donc, je m'intéresse qu'à Ali. Grosso modo, à part Kalel, tout le monde reste debout. Finalement, je me suis assis. D'accord. Il y a Naïm qui s'assoit, donc vous êtes trois debout. Deux assis. Il semble attendre un moment si d'autres se décident, hein, comme Naïm. Mais... Eh bien, apparemment, le joueur
a décidé de s'amuser avec votre destin. C'est donc vous deux qui allez parler en votre nom. Montnaïm et Kalel. On va tous parler en notre nom, mais... Je laisse Kalel surtout s'exprimer. Il vous connaît mieux, ce sera peut-être plus simple. Je vous écoute. Vous avez dit vouloir négocier. Oui, bien sûr. Alors, moi je vous explique jusqu'à présent. Vous savez pas tout sur moi. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Mais ça fait trop longtemps que je suis ici. Et vous devriez vraiment m'aider à partir. Donc moi, la négociation, on peut vous aider si vous avez un problème. Mais surtout, sachez que le plus vite je serai parti d'ici, le mieux ce sera pour vous et votre communauté. Et à ce moment-là, je veux entendre ce qu'ils pensent. Très bien. Donc, alors attends, il faut que je revienne sur le livre. Je ne sais plus ce qui est dit sur ta fiche. Il est décrit le don. Vous êtes capable de lire les pensées d'une personne pendant une minute environ. Par dire d'une que les personne, pensées superficielles. Ouais. Donc, c'est impossible de creuser pour atteindre des souvenirs plus profonds. Votre site doit se trouver à bout portant. C'est pour ça que je me suis concentré sur le vieux. D'accord. Je gagne un point d'ombre. Je ne sais plus s'il y a un test à faire. Je ne sais plus. En tout cas, j'ai un point en pouvoir mystique. Je ne sais pas si je dois le lancer ou quoi. Mais... Ouais, mais je pense que faut que je vérifie, mais justement. Particules. Et comme ça, on s'en souviendra maintenant. Alors, blablabla. Oui, voilà. Pour utiliser un pouvoir, vous devez réussir un test de pouvoir mystique. Donc, tu dois me faire un test de pouvoir mystique. Succès limité. Est-ce que tu t'en contentes? C'est une réussite quand même. Bah, vu que je veux juste entendre ce qu'ils pensent là sur l'instant, ouais. Donc c'est des pensées superficielles. Quand tu lui dis ça, effectivement, t'entends principalement de l'interrogation. Il se pose des questions. Mais la principale chose que tu entends, c'est s'il est recherché, qu'ils savent qu'ils sont ici, effectivement, ça pourrait peut-être amener d'autres problèmes. Et là, je lui réponds à votre voix, à haute voix. Je lui dis effectivement, je suis recherché. Moi, je le regarde. Ce qui se passe. Je regarde. J'en étais sûr. Il a l'air quand même surpris. Il a l'air surpris. Voilà. Cela dit, disons que ça n'enlève pas bon nombre de nos inquiétudes. Non, mais par contre, ça va en rajouter une très grosse. C'est-à-dire que les gens qui me recherchent, s'ils viennent ici, je peux vous garantir que c'est la fin de votre communauté. Ils ne seront pas aussi sympas que moi, ni que ces gens-là qui viennent d'arriver. Ils n'essaieront pas de partir discrètement. Et s'ils trouvent une petite communauté d'esclaves toute prête à servir. Enfin, préparez-vous à reprendre votre ancienne vie. Sur l'instant, tu vas... Vu que tu lis toujours ses pensées, hein, pendant une minute, tu vas ressentir, si tu veux, tu vas entendre
ben, sa principale inquiétude, qui se mélange de différentes manières, mais qui est toujours la même chose en fait. C'est que, effectivement, il est inquiet que d'autres des personnes viennent te chercher, causent les problèmes que tu parles. Mais d'un autre côté, il est aussi inquiet que s'il vous laisse partir, du risque. Et enfin, tu comprends que toutes ces pensées sont en train de peser le pour et le contre de quel est le risque le moindre. Mais d'un autre côté, il y a toujours ce risque de, quand vous vous laissant partir, eh bien, que vous trahissiez leur secret. Et donc, encore une fois, je lui réponds à haute voix pour lui dire le risque que nous vous trahissons, d'arrêt trahition, enfin, j'en sais rien, s'en fout, c'est un risque à courir pour vous. Par contre, le risque que les mecs viennent me chercher, c'est du 100%. Et le risque que eux ne soient pas tendres avec vous, c'est aussi du 100%. Ils finiront par me trouver. Vous savez que les gens comme moi ne sont pas... Et que certaines personnes cherchent des gens comme moi et que ces personnes-là ne se fatiguent jamais. Et donc, tu vas donc devoir me faire un test de manipulation. Pardon ? Je pense qu'il a dit qu'il y avait des gros problèmes, mais oui. Parce que le bonus de groupe entre en compte. Ah oui, non. Le bonus de groupe. On a le bonus de groupe, mais non. Ah oui, t'as raison. J'ai pas de bonus avec cette... Le bonus de groupe, c'est... Nous si aussi. Vous, le bonus de groupe, c'est pour corrompre des gens corruptibles. C'est pas... Et trouver c'est pour influencer, quoi. Ben, c'est lors de... Quand vous trouvez des gens qui sont corruptibles, par exemple, qui voudraient payer un bachiche à un garde pour qu'il ferme les yeux, là, ton bonus de groupe rentre en jeu. Là, on est... Alors, ça reste de la manipulation. C'est le même test, mais c'est pas dans le même... dans les mêmes... Contexte. Voilà, dans le même contexte. Vous, c'est dans un contexte précis, douane, etc. Principalement de corruption. Voilà, j'ai pas eu le temps de... Ça va pas changer, Panso, je t'avais dit. Je t'ai accordé un plus un, vu que quand même tu lis dans ses pensées. Que ça facilite quand même grandement les négociations. Hein. Au final, ils vous regardent tous. Et puis, ils regardent un moment, un court moment. Comment il s'appelle Troy. Et puis après, il pose une main un peu sur la main de Sayra. Et c'est Sayra, en fait, qui parle. Et elle dit, effectivement, on ne peut faire que tenter notre chance et vous offrir en partie notre confiance. Je pense que notre décision était déjà quelque peu actée, un peu même avant votre venue. Mais voilà, ce que nous en avons tiré comme leçon, c'est que nous sommes sans doute partis d'un mauvais pied. On va en garder notre secret. Eh bien, nous avons fait un choix qui vous a été sûrement quelque peu dérangeant. Nous pensons ce que nous pouvons vous proposer, c'est qu'on accepte de vous aider. Troy voudra bien vous conduire dans la jungle, vers le lieu des épaves. Notre vaisseau est
n'est pas en état de fonctionner. Faudra sans doute des pièces, faudra sans doute de la réparation. Et le seul moyen d'en trouver, c'est dans ce secteur là-bas. Par contre, vous comprendrez que même si il est vieux en piteux état, ce vaisseau est une quelque sorte presque une nécessité pour nous. Certains d'entre nous vous accompagneront. On vous conduira jusqu'à prochaine première station ou planète que vous-même appelez civilisée et d'où vous pourrez après, d'une certaine manière, partir, trouver un autre vaisseau, un autre moyen de locomotion. Et de notre côté, nous repartirons. Nous en profiterons sans doute pour récupérer quelques petites choses qui nous sont nécessaires, comme des médicaments et tout ce que nous demandons en échange. Vous l'aurez sans doute compris, c'est votre silence. Et on vous demandera bien entendu de jurer devant l'icône du juge. Si pour moi, vous m'avez accueilli, nourri, logé, jamais rien demandé en retour, même si ça a été un peu forcé au début. Votre secret en sécurité avec moi. C'est ok pour moi aussi. Le plan me convient bien. À la simple condition que ce soit moi qui pilote à l'aller. J'aime difficilement me faire piloter par quelqu'un d'autre. C'est un mini détail. Ça me convient aussi. Par contre, la jeune Naomi nous a demandé de nous suivre. Est-ce que vous consentez à la laisser partir si elle aussi jure devant l'icône du juge ? Si c'est le choix de Naomi, cela ne nous posera aucun problème. Nous la laissons libre de son choix. Tous les regards se tournent donc vers les deux qui restent complètement muets. Ça me va. De toute façon, le consentement est obligatoire, parce que sinon, on ne repart pas. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de mécaniciens de vaisseaux disponibles. Il y a Saïra qui vous dit « Détrompez-vous, avant d'échouer ici, bon nombre d'entre nous ont des compétences largement assez haut en technologie pour réparer le vaisseau. » C'est pour ça que nous sommes conscients aussi des problèmes qu'il a, ce vaisseau. Je regarde Amsa en rigolant, je dis « Ah vous, t'es très contente pour le réparer ce vaisseau. Ça t'en démange, ça te démangeait. » Ouais, mais là, ils viennent de casser mon bouffe. Si tu consens pas, on peut s'arranger. Ah mais en gros, ils peuvent partir d'ici quand ils veulent. Ben oui et non. Les pièces, va falloir aller les chercher. Ça, c'est ce que vous dit Troy. Et ce petit voyage jusqu'aux zones d'épave, va nous falloir au moins 2 jours de marche dans la jungle. Ça va pas être des vacances. Il faut au moins une journée pour y aller, une journée pour revenir, trouver les... On espère qu'on y trouvera ce qu'il faut. Jusqu'ici, nous, c'était pas dans notre intention de repartir. Je n'ai pas compris ce qu'a dit le droïde. Donc... T'as un peu d'égo sur ton micro, je crois. Ouais, j'ai augmenté son son, mais... c'est même pas de l'écho, là. Il y a un problème, le micro. De résonance, effectivement. Là, la matinée a un peu avancé, hein, le temps que vous avez passé
Elle dit, ben nous partirons. L'idéal, c'est de... Si vous avez à vous préparer, vous reposer, profitez-en. Et on va... Je vais préparer le nécessaire de mon côté. Et nous partirons demain matin à l'aube. Ben ok, moi ça me convient. Je vais danser à nouveau dans l'espace et je partirai. Que... Il vous laisse donc... Il vous laisse... Hein. Ensemble, que eh bien, déjà, est-ce que vous vous dites des choses entre vous? Il y a quelqu'un déjà face à vous qui a fait quelques aveux, et il y a quelqu'un face à vous, vous avez quand même eu du mal à comprendre ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire. Il a fait. Il semblait effectivement répondre à des questions que Ali n'avait même pas posées. Et on va le dire clairement, dans l'univers entrement, ben, vous ne connaissez pas ça, sauf à l'exception de certains groupes qui sont liés au alors soit des groupes qui vont être liés à l'ordre des parias pour vous redonner l'ordre des parias c'est un peu double tranchant soit sur Coriolis. C'est, ils sont adorables, ils sont aimés de tous, ils s'occupent des pauvres et soignent tout le monde. Soit dans les systèmes où ils sont installés, c'est clairement un ordre religieux extrême. Où on dit que justement, c'est les martyrs, ceux qui sont leurs soldats, ont carrément... lors d'assaut rasé complètement les villes. Voilà. Ou alors, peut-être des dons dignes du temple d'Alam. Et donc ça, c'est vraiment les courtisans qui utilisent ce genre de dons. Et donc là, on est dans... C'est une faction qui explore inlassablement les mystères de l'expérience et des sens. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc c'est pour vous, il n'y a que ça qui vous parle. Kalel, tu semblais très sûr de toi dans le fait qu'on vienne te chercher, mais au final, tu nous as dit que ça fait 10 ans que tu étais là. T'as bluffé, en vrai. Ah, Kalel, il t'a pas dit que ça fait 10 ans qu'il était là. Si. Non, non, ça c'est les gens d'ici qui sont là depuis 10 ans. Et toi, tu es là depuis combien de temps? Quelques mois. Ouais, donc les gens sont pas si pressés que ça de venir te chercher. Oh, ils vont venir. D'accord. Pourquoi tu crois que je suis ici? Tu m'as l'air d'être un très très fin psychologue, en tout cas, parce que presque à un moment, je dis bien presque, hein, j'ai eu presque l'impression que tu lisais dans les pensées d'Alil. Mais non, c'est pas une impression. J'ai lu dans les pensées. Bien sûr. C'est pas moi, c'est... Quoi? J'arrive pas à lire dans les pensées de votre collègue, là. Il y a des trucs qui me viennent, mais c'est incompréhensible. Ça, c'est mon chemin en bas. Oh, mon Dieu. Et ce qui me chiffonne aussi, c'est cette histoire de pilote. Parce que qu'on ait un pilote à l'aller, je me tourne vers notre cher pilote,
je n'ai aucun souci pour ça. Mais au retour, on est bien d'accord que ce vaisseau, il y a une mutinerie, ils se sont crashés. Donc, il est où réellement leur pilote ? Ils t'ont pas dit qui c'était. C'est pour comme, ça. Mais comme à t'as dit, ils ont tous des compétences. Oui, mais le vaisseau, il est crashé. Donc, moi, je vois un vaisseau, ah non, un pilote. Le vaisseau, comme j'ai jamais dit qu'il était crashé, le vaisseau. Le vaisseau, non, il est posé. Hein, il n'est pas en état de repartir. Il est en panne. Mais le vaisseau n'est pas crashé, au contraire. Le vaisseau est totalement... la carrosserie, etc., est totalement viable, en fait. Donc, il y a un vaisseau viable et les personnes ne sont pas parties à partir du moment où il y a eu des... Enfin, bon, moi, j'ai beaucoup de mal à... Je suis très suspicieuse sur tout ce qui se passe. Mais barrons-nous d'ici. Et je comprends pas, ils te l'expliquent depuis le début. C'était des esclaves, ils se sont libérés, ils veulent pas repartir. Pour redevenir esclaves, c'est quoi leur intérêt ? Ils sont bien ici, ils sont libres. Ouais, mais ils viennent nous chercher, ils nous empêchent de partir, je sais pas, moi j'ai... On a un terrain d'entente grâce à toi, franchement. Tu lis dans les pensées, écoute, j'y crois pas, mais je pense que tu es très malin. Et je te remercie de ce coup de bluff. Maintenant, moi, j'ai juste une envie, c'est de me barrer d'ici. Mais par contre, je pars du principe qu'ils vont nous la mettre à l'envers dès qu'ils peuvent. Pourquoi pas. De toute façon, qui pilotera quand ils reviennent ici, c'est pas vraiment notre problème. Ça, c'est moi qui pilote à l'aller, de toute façon. Oui, ben justement, moi, je me pose la question. On vient de voir notre vaisseau se barrer, quand même. Donc, mettez-vous à ma place. Je prévois le pire. Et on a un très bon pilote. Et je me dis que... Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand j'ai commencé à donner des soins, ils ont dit, tiens, médecin, ah, c'est magnifique, c'est très, très utile. Voilà, je pense que... Je regarde Salim, on est bien d'accord qu'ils n'avaient vraiment aucune raison de nous empêcher, de nous casser les pieds, de nous empêcher de partir. Et puis là, tout d'un coup... Tout va bien, c'est super, on part et puis on va dans les étoiles. Moi, je pense qu'il y a un truc derrière. Moi, je pense qu'ils ont juste vu qu'on pouvait se barrer quand on voulait et qu'on allait être sacrément chiant s'ils voulaient nous garder ici. Ça fait à peine 2 jours qu'on est là, on a déjà foutu un sacré bordel. Et du coup, je pense qu'ils se disent que c'est plutôt leur intérêt. Encore plus maintenant qu'on sait que l'ami Khaled est recherché. Faut qu'on en parle plus, ça, d'ailleurs, à un moment donné. Parce que selon qui se recherche, ça peut être plus ou moins dangereux de voyager avec toi. Ah, un ordre religieux fanatique. Okay. Ah oui, quand même. C'est bien ce que je pensais, ça colle bien avec, avec le fait de dire dans les pensées. Ah ouais. Alors effectivement, quand il vous dit ça, et qu'il dit qu'il lit dans les pensées, s'il n'est pas de l'ordre des parias, de ce fameux ordre, très spécifique. Oui, effectivement, pour certains religieux, c'est peut-être vu comme l'exemple que je vais prendre. Voilà, Kalem, c'est la sorcière de Salem, quoi. Voilà, ça peut être vu comme ça, quoi. C'est-à-dire que, mais à l'heure actuelle, effectivement. La réaction d'Aini est très logique de ne pas y croire. C'est pas des choses que, jusqu'ici, dans le troisième horizon, on n'a jamais entendu parler de ce genre de choses. Donc, on est pouvoir, ça n'existe pas, quoi. J'allais le faire. Pense à un nombre entre 1 et 99. Voilà. Après, c'est peut-être quelqu'un, justement, un bon mentaliste, hein, quelqu'un qui a quelques dons de... voilà, de pouvoir lire un peu les gens, mais dans un sens plus. Ah oui, mais franchement, même si tu me disais le nombre auquel je pense, pour moi, c'est ça. Voilà. C'est que tu es très malin. Qui a beaucoup de déductions, qui arrive peut-être à lire un peu plus sur le visage. Et ça, justement, c'est un peu plus que fait le groupe que je vous disais, le temple qui travaillent sur les sens, etc. Ils sont plus dans ce domaine-là, en fait.
Je suis très malin, tu as raison. Tu dis ça ? Ben oui. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant la soirée ? Non, moi je vais me reposer. Vous pouvez vous reposer. On a perdu des points d'esprit là, il faut dormir, c'est ça ? Se reposer ? Ouais, une heure, un point ? Tu te reposes. Ah voilà, je vais faire ça. Si c'est qu'un point d'esprit, je sais plus, quelques heures, tu vas récupérer un point d'esprit, effectivement. Ils disent une heure, un point dans les règles, oui, j'étais en train de les lire. C'est ça. Que je vais me reposer au moins 2 heures. Moi, je serais bien. Effectivement, le temps de vous reposer, sauf si vous faites quelque chose en particulier. Et voilà. Ben oui, moi je vais me reposer aussi. Tu nous avais dit on était plutôt dans la matinée, c'est ça ? Là, vous allez être en fin de matinée. Et on a dit qu'on partait plutôt demain matin, c'est ça ? Oui, parce que lui, en tout cas, d'après ce que vous a dit Troy, il estime qu'il faut au moins une journée de marche. Donc... Moi, j'ai quand même proposé mes services, parce que même si je l'ai mauvaise, malgré tout, ils ont été effectivement plutôt sympas avec nous. Donc, je vais un peu me balader dans le village, voir si je peux être utile à quelque chose. Et je propose à notre mécanicien de génie de peut-être faire un check sur le vaisseau. Bah, il avait déjà plus ou moins jeté un œil. Tu vois effectivement qu'il y a des pièces hors d'usage. C'est réparable, mais il faudrait effectivement avoir des pièces détachées et autres que vous n'avez pas. Les réparations sont... Avec les pièces... On est quand même sur des réparations qui risquent de prendre après, une fois avoir les pièces, peut-être quelques jours. Quoi. On va pas se faire un clin d'œil, mais tu te dis que c'est possible. Surtout si tu n'es pas seul. Et éventuellement, ils ont quelques autres personnes capables de travailler. Peut-être pas aussi bien que toi, bien entendu. Mais... Ça sera en fin de journée uniquement qu'il va se passer quelque chose. Et vous conviez, enfin c'est Seira qui va vous convier dans une salle, dans la pièce où certains d'entre vous étiez allés prier. C'est une petite hutte hexagonale comme ça où apparemment on y a remis les effigies des icônes qui devaient se trouver à bord du vaisseau. Et elle vous tourne en direction bien de celle du juge. Et forcément, elle vous demande à un, en fait, de jurer. Vous ne trahirez pas leur secret en mentionnant où ils se trouvent. Et elle-même a dit, et que nous, en échange, nous ferons tout de nos possibles pour vous aider à regagner les étoiles et ainsi que un endroit où vous pourrez voyager où bon vous semble. Ça veut dire qu'ils jurent aussi ? Oui. Enfin, moi, ça ira, oui. Ok. Ok, ça me va. Elle jure aussi, en fait, oui, effectivement. Dans ses propos, apparemment, elle jure aussi de vous aider. On pose alors la main. Elle offre
Elle offre un cadeau au juge et vous propose, enfin en gros, elle vous demande, chacun à votre tour, de jurer sur l'icône du juge. Je fais très sérieusement ma prière. Est-ce que vous le faites tous ? Moi aussi, je vais faire ma prière aussi, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais. Je prends la légère, mais je le fais, en tout cas. Tu le prends la légère ? Oui, bien sûr. Je veux pas, j'ai pas l'air très concentré, disons. Mais en tout cas, je jure. Les deux autres ? Je crains aussi le jure. Merci. Ah bon ? Le bruit derrière, c'était... c'était ça. Quant à Daini... Oui, évidemment. Je fais ça... ni trop, ni trop peu, mais sérieusement. D'accord. Moi, j'irais bien après, quand même, quand on aura la possibilité avec quelqu'un de faire le tour, qu'il nous fasse la liste de ce qui manque comme, comme pièce. Si quelqu'un l'a faite, cette liste. Bah déjà, Hamza a un peu listé en regardant hein, effectivement les quelques pièces qui manquent. Hamza tente de vérifier hein, de ce qui allait pas. Karim regarde aussi un peu en disant qu'il a quelques compétences. Et, vous arrivez à voir les principales pièces qui gênent. Et qui... voilà. Hamza, tu peux regarder pourquoi un vaisseau qui s'est posé en douceur est tombé en panne ? C'est quoi ? C'est des pannes de batterie ? C'est de l'usure ? Ça me paraît très étrange, cette histoire. Je pense qu'il doit y avoir un peu de tout. Ouais, effectivement, ce que tu trouves... y a de l'usure... Il y a certaines pièces d'usure. Et puis, tu vois qu'il y a une ou deux endroits, peut-être qu'il y a eu des pannes internes. Entre autres, tu vois qu'il y a un appareil qui a grillé. Tu te dis qu'il y a eu peut-être une mauvaise utilisation. Et, je t'explique pas, mais en gros... je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais en gros, l'appareil, un appareil a une panne. Mais c'est surtout que tu vois que c'est les pannes en elles-mêmes te surprennent pas. Oui, c'est juste. C'est juste que d'habitude ce genre de panne, eh ben vous, enfin on les répare quoi. Et puis là, le truc c'est qu'il y a certaines pannes, ça fait quand même un moment qu'elles sont là et ça fait un moment que la machine n'a pas tourné. Y a quand même de la végétation qui a poussé un peu, etc. Donc, y a tout ça aussi à mettre en état. Mais tu vois aussi quand même quelques appareils peut-être qui ont eu des impacts de tir dedans. Les tirs paraissent quand même très anciens. Et ça pourrait expliquer une bataille à l'intérieur du vaisseau, ce qui ne semble pas non plus bizarre s'il y a une mutinerie. Ouais, donc ce que tu nous dis, Hamza, c'est qu'effectivement, c'est la mutinerie qui a causé la panne dans ce vaisseau. Non, une partie. Ouais, une partie. Et le reste. Voilà, c'est un ensemble de plein de choses. Tu vois aussi qu'il y a des appareils qui ont dû être utilisés pour d'autres choses, finalement, qui ont été démontés, comme entre autres des batteries d'énergie, etc. Donc, qui ont fait que certains appareils étaient plus alimentés. Enfin, il y a plusieurs choses qui font que, voilà, il est en panne. Mais en tout cas, en bref, il n'y a rien qui te semble étrange. Après, il y a du boulot dessus. Hein. Comme j'ai dit,
Ça va pas se faire tout de suite. Ok, ben merci pour ton avis, Hamza. Ça me rassure un peu. Je suis désolée, c'est vrai que depuis qu'on est ici, je vois un petit peu le mal partout. Mais bon. Le deuxième événement. Mais là, Dany va peut-être faire des bons et se dire. Puisque le deuxième événement, il y a un groupe de chasseurs qui reviennent. Les voyez arriver, ils ont ils tirent des ce qui semble être des civières. Le premier chasseur qui rentre dans le village d'ailleurs avec ce groupe là va parler à Naomi. Et c'est Naomi qui vient vous voir. Et qui vous dit j'avais parlé à des chasseurs qui partaient ce matin. Et j'ai bien vu vos conversations, toute l'inquiétude que vous aviez quand vous avez vu le vaisseau partir et sur le qui, le comment, et surtout voilà de ce qui, pourquoi il était parti. Et les chasseurs ont trouvé. Ça, et elle montre la direction des deux civières. Il n'y a pas des exosquelettes par hasard? Non, il y a deux civières. Enfin, il y a des choses sur les civières. Hein. Pardon. Ouais, mais c'est humain, ça ne m'intéresse pas. J'y vais immédiatement. Ouais, moi aussi, je veux voir. Moi aussi. Vous voyez le muet. Et vous voyez l'homme du caisson. Ce sont deux corps. L'homme de caisson n'est plus dans son caisson. L'homme du caisson semble un idem, d'une certaine manière. Le corps semble un idem. L'homme, le muet, vous voyez assez rapidement, et c'est assez reconnaissable, il a un tir. Sans doute une arme Vulcain dans le dos. Deux impacts. Ils sont tous les deux morts. Oui. Même. Ok. Ben oui. L'homme du caisson, par contre, il n'y a aucune trace visible de comment ça s'appelle, de mort, enfin de trace d'arme ou quelque chose. J'ai quand même regardé ça d'un peu plus près, quand même. Ouais, moi je regarde bien tout ce que tu fais. T'as des compétences, donc ça va aller assez vite. Il a couleur des lèvres, etc. Manque d'oxygène. Il a été étouffé. Tu vois aucune trace de strangulation ou autre, par contre. Ouais, donc à partir mais de. S'il était dans le caisson, tu te dis, il y a juste deux boutons à appuyer. Hein. Ouais, ouais, bah de toute façon, oui, il a été étouffé. Tu coupes le caisson, il est enfermé dans le caisson, tu as coupé l'oxygène, il est anesthésié. De toute façon, grosso modo. Tu reconnais le truc parce que. Dire des gens qui ont eu des problèmes peut-être avec le vide spatial, etc. On est tous déjà vus. Le manque d'oxygène. C'est comment. Mais là, effectivement, vous vous dites que c'est. Par contre, le muet, il a deux tirs dans le dos. Ouais, Naïb n'a pas pris de risque avec l'un ou l'autre. Il nous a bien roulé. Bah là, c'est clair, oui, ça peut être que Saïb, du coup. Personne d'autre n'était présent. Ou alors un inconnu qui passait par là, mais c'est quand même très peu probable. Armé quoi. Alors je sais qu'on n'a vraiment pas beaucoup de chance, mais si c'est un inconnu, c'est que vraiment on se prend toute la chkoumoun de l'univers. Vu que tu l'examinais, tu trouves quand même la fameuse sur le muet, tu trouves son fameux tabula, celui qu'il lisait tout le temps. Ah. Eh ben, on va essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être intéressant.
voilà. Les données que tu as dedans, tu as beaucoup de textes religieux, des icônes, ce qu'il lisait tout le temps. Mais en cherchant un peu, tu trouves une série, comme un journal, qui décrit un peu votre voyage. Rapidement, tu vois. En gros, c'est ce qu'il disait, hein, il surveillait un peu comment ça se passait avec vous. Donc, vous revoyez un peu le tracé de votre voyage. Et puis, ça s'arrête un peu à... il y a eu une première victime. L'un des passagers s'est fait assassiner. L'équipage cherche à savoir qui c'est. Et avec tout ça, tu trouves une liste de plusieurs canaux qui doivent être des canaux pour envoyer des messages à partir du moment qu'on a un com avec suffisamment de portée. À l'heure actuelle, n'est pas votre plan. Évidemment. Qui le veut ? Moi, j'ai plus de place, mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant à conserver. Après, le tabula en lui-même, vous pouvez le garder, effectivement, dans votre inventaire. On vit dans la mémoire, ça reste un tabula. Tabula, c'est une tablette. Naïm, Hamza, Salim, quelqu'un est intéressé ? Non, garde-le. Je vais le mettre par terre, donc. Elle n'a pas l'inventaire. On n'a pas la place. Moi non plus. On est chargé comme des baudets. Je crois que je peux le prendre, non ? Je crois. Oui, largement. Je suis assez light. Toi, t'es light. Enfin, c'est pas que t'es light. C'est que toi, tu peux monter très haut par rapport à eux. Ah, d'accord. J'allais dire, tu voyages léger. Non, c'est pas qu'elle voyage. C'est pas que Salim voyage léger, au contraire. Mais c'est qu'il peut porter beaucoup. Et c'est vrai que moi, la figure, c'est pas mon fort. Parce qu'il a 8 en encombrement, quoi. Pour vous dire. Ah, bah oui. C'est quand même pas mal. Ouais, je t'ai mis le tabula. Normal. Merci. Attends, c'est l'homme fort du groupe. Hein. C'est logique. Alors je sais qu'ils n'ont pas d'exosquelette. Hamza, ah non, mais peut-être... Ah non, ils n'ont pas d'exosquelette. oui, non, mais je vois ton air déçu et chafouin. Mais on peut peut-être respectueusement continuer à leur faire les poches et effectivement peut-être leur donner une sépulture décente l'homme vis-à-vis des icônes. Il n'a rien sur lui. Et le muet n'a que son tabula finalement. Ce qui est déjà pas mal. Après, trouver un cadavre avec rien dessus, hein, pour le coup. Bah, je remercie, je me rappelle plus son prénom, la prêtresse. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez nous aider ? On va quand même leur donner une sépulture décente. On va les brûler, faire un bûcher ce soir, afin que leur esprit regagne, se libère, ne tombe pas aux mains de l'ombre entre les étoiles. En tout cas, je vous remercie d'avoir envoyé une expédition et d'avoir risqué une expédition là-bas. Et je pense que c'est Naomi qui nous a entendu discuter tout ça. Et vous la remercierez de notre part. Putain, elle a les oreilles qui traînent, elle. Ne lui en veux pas. Vous parlez pas discrètement. Hein. C'est souvent qu'elle entend des conversations qui ne lui sont pas destinées. Mais pour le coup, là, c'était quand même
bien joué de sa part, puisque on a vraiment hésité, Hamza et moi, à retourner sous le vaisseau. Ne t'en fais pas, c'était juste un constat. Oui, je sais, je commence à te connaître, Salim. Il adore les enfants, ça se voit, non ? Oui. Pardonnez-moi, j'oublie très rapidement les prénoms, j'oublie même le mien d'ailleurs. Je voulais vous parler de Naomi. Elle souhaite venir avec nous. Moi, je lui ai promis, alors pas devant le juge, mais je lui ai promis que tant qu'elle restait avec moi, il ne lui arriverait rien. Mais est-ce qu'elle est vraiment consciente de ce qu'elle risque ensuite si elle vous quitte ? Vas-y, comme nous vous l'avons dit, si c'est son choix de quitter la colonie, déjà de faire le voyage avec vous, libre à elle, si après arriver à l'endroit où on vous laissera, si elle désire ne pas rentrer, là encore, ça sera son choix. De notre côté, on a pleinement conscience que Naomi ne trahira pas notre secret. Et puis, je veux dire, si elle ne profite pas de cette occasion, si elle n'est pas sûre d'elle, est-ce que d'autres occasions se présenteront ? Donc, c'est son choix et c'est à elle de prendre cette décision. Eh ben justement, dès que j'aurai un peu de temps dans la soirée, si je vois Naomi, j'aimerais bien lui causer deux mots. Eh bien, la soirée va vite arriver. Tu as cette occasion. Qu'est-ce que tu veux lui dire, en fait ? Naomi, tu es toujours... ton souhait est toujours de quitter les tiens et de visiter les étoiles. Oui, je pense. Après, j'ai entendu le projet qui débute. Et je me dis, déjà ce premier voyage me permettra de me décider totalement. Tu es bien consciente que déjà que tu as été très déçue par nous, tu risques d'être encore plus déçue par les personnes que tu vas rencontrer après avoir quitté ta colonie et après avoir quitté notre faible, je sais bien très faible, protection. Oui, c'est pour ça que je me permets de garder l'option que je rentrerai peut-être avec le voyage retour. Très bien. Et je te remercie d'avoir demandé que des chasseurs aillent vérifier s'il restait quelque chose sous notre vaisseau. Je suis désolé pour vos deux amis. Et je suis désolé que tu aies... entendu ce que nous avons dit sur le coup de la colère et peut-être aussi d'une manière sincère et assumée. Mais en même temps, je pense que c'est mieux que tu saches ce qui se passe dans le monde extérieur. Tout le monde n'a pas la bienveillance de ta famille. Oh, il me le répète bien assez. Très bien, bah je te souhaite une bonne nuit. Et elle te dit également bonne nuit. Et la nuit se passe. Et au petit matin, on voit un petit groupe constitué de 6 personnes. 7 personnes exactement. Troy en tête, vous cinq et Karim le suivant et s'enfonçant dans la jungle en direction d'une zone
qui, pour l'instant, pour vous, est totalement inconnu. Nous allons faire une courte pause.